Salut, Frédéric Tremblay au microphone avec vous, entouré de Julie Bergeron et Nicolas Saint-Pierre. D'ici les 50 prochaines minutes, on va jaser avec Frédéric Bérard, plein de sujets, le chemin Roxham, aussi les transferts en santé et une petite leçon sur le droit de vote. Est-ce qu'on peut retirer le droit de vote au Canada à quelqu'un, un citoyen canadien? Pas évident, pas facile, c'est bien protégé. Aussi, on recevra une chercheuse de l'UQAC, Lauriane Allard, qui recherche des participantes pour une étude sur les troubles alimentaires. La semaine sur la sensibilisation aux troubles alimentaires s'est terminée hier, mais on peut encore en parler. Qu'est-ce qu'on recherche pour le profil de cette étude? Et on va jaser économie avec Marjorie April. Elle a écouté beaucoup de discours hier, le discours du gouverneur de la Banque du Canada, celui du président de la Fed américain, même le président américain lui-même. Alors, elle nous fera un beau résumé des conséquences économiques de ce qui a été annoncé. Mais aux actualités régionales, Nicolas, le maire de Roberval espère la construction de nouveaux logements. Serge Bergeron n'est pas surpris de voir, lorsqu'il a constaté les chiffres du taux d'inoccupation, on arrive, c'est pas compliqué, le Roberval, zéro. Pas 0.1, 0.2, 0, 0, il n'y a pas de logement disponible. Il y a même une liste d'attente, dit-il, une vingtaine de familles autochtones qui n'ont pas de logement. Il avait observé là, le 1er juillet que des gens peinaient à se loger dans la municipalité. Donc, parmi les solutions pour la municipalité, c'est baisser le compte de taxes pour les édifices de 6 logements. Donc, il espère qu'il y a bientôt là, des gens qui vont construire de nouveaux logements. Évidemment, là, il faut les construire, il faut les aménager. Ça sera pas prêt demain matin, mais c'est une solution, là, disons, à moyen terme pour la ville de Roberval. Je vous ferai entendre les commentaires de Serge Bergeron tout à l'heure. Et ce qu'il racontait à Catherine hier en entrevue à Place publique aussi, c'est que c'est un sujet, un phénomène qui est observé dans d'autres municipalités, même d'autres maires ailleurs s'informent de savoir comment on a trouvé des solutions avec cette absence de logement. Alors, on voit que c'est un sujet vraiment qui rebondit et qui plane au-dessus de beaucoup de villes et de municipalités dans la province. Merci. Nicolas, 8h30, le prochain bulletin. Julie. Alors, on parle de critique de film Cosse ça donne. C'est un texte fort intéressant à lire en une du journal Le Devoir ce matin. Le Devoir qui se demande si le fossé s'est creusé entre les critiques et les amateurs de cinéma. On parle, par exemple, on donne comme exemple le nouveau film d'Astérix et Obélix qui a été vilipendé par la critique. Là, vraiment pas de bons commentaires, Frédéric, mais qui s'avère être le meilleur démarrage pour un film français en salle depuis très, très, très longtemps, autant ici que là-bas en France. Ces chiffres qui font dire à Vincent Guzzo, hein, de la chaîne de cinéma du même nom, que l'opinion des critiques ne compte pas pour grand-chose maintenant. Il dit « Elvis Gratton et les Boys ont fait de gros chiffres, même si la critique les a démolis. Je ne veux pas être impoli, mais la grande majorité des gens s'en calissent un peu de vos 1 étoile ou de vos 5 étoiles. » Ça, c'est carrément des propos à Vincent Guzzo. On peut l'entendre nous le dire, même avec son accent très particulier. Là. Il accuse le journaliste comme il accuse les journalistes comme les politiciens d'être de plus en plus déconnectés du reste de la population, de la base en fait. Et on est allé chercher pas la critique, mais en fait la réaction d'un professeur de cinéma à l'Université Laval qui croit que ça passe pas l'épreuve des faits, là, ce que dit Vincent Guzzo. Il dit, c'est un exemple Top Gun, il dit, ça a été un succès critique et ça a été le plus grand succès en salle pour l'année 2022. Il rappelle aussi que tous les films ne sont pas égaux. Par exemple, il y a des films à très petit budget, 10, 20 000 $ et des films à très grand budget, là, des centaines de millions de dollars. Et il donne l'exemple également de 23 décembre, qui a eu un succès mitigé en critique, mais qui a franchi quand même le cap des 2 millions au box-office. Ça nous rappelle, ça vaut ce que ça vaut les critiques. Comme toi et moi, on n'a pas aimé 23 décembre. Pas du tout. Et pourtant, le public en général, si on se fie au résultat, a été au rendez-vous. Donc, c'est très subjectif, les critiques, c'est ce qu'on constate. Exactement. Donc, à vous de voir si vous voulez vous fier à votre voisin ou, encore une fois, aux critiques. Mais toi, aimes-tu ça? Est-ce que tu lis les critiques? Est-ce que, habituellement, que ce soit en cinéma, en théâtre, en musique, en livre? Oui, effectivement, je lis les critiques, mais, par exemple, si j'ai un ami ou quelqu'un autour de moi qui, je sais, a les mêmes goûts que moi, bien, je vais davantage me fier à cette personne-là autour de moi qui a les mêmes goûts que moi qu'à la critique, mais... Je suis peut-être coupable. J'aime ça lire les critiques et c'est vrai que ça influence notre jugement, mais c'est arrivé très souvent parfois que j'ai consommé des produits culturels sans lire les critiques et que moi j'aimais ça
et que par la suite, je lis la critique n'a pas aimé ça, et tu te dis, ah, finalement, et tu vois que ça peut influencer. Tout à fait. Je pense à Hugo Dumas, par exemple, ou encore des chroniqueurs télé qui parlent de séries, et si on m'en parle en mal, je serais pas très, très tenté d'aller consommer. Et pourtant, des fois, on voit qu'il faut en prendre et en laisser, mais moi aussi, j'aime souvent... On s'habitue aussi aux critiques. On dit, ah, lui, il a souvent les mêmes goûts que moi, ou telle personne. Donc, ça aussi, il faut regarder tout ça. Mais là, on est allé chercher les propos de Vincent Goudzou. On connaît ses positions. On sait que lui, ce qu'il veut, c'est vendre des billets, vendre du popcorn. Alors, tout ça à lire dans le cahier du devoir de ce matin. La météo pour aujourd'hui, telle que mentionnée, c'est une journée douce. Le vent joue, influence les températures et il y a de bonnes rafales de vent. Parfois, ça peut atteindre 40-50 km/h pour le Saguenay et pour le lac Saint-Jean. Des averses de neige, c'est pas le cas à Chicoutimi, sûrement ailleurs dans la région, mais ça va cesser ce matin. Un dégagement par la suite et pour la journée. On parle de température à moins 5, moins 8 degrés. Évidemment, avec le vent, c'est un peu plus froid. Ce sera dégagé pour la nuit de mercredi à jeudi pour le Saguenay et le lac Saint-Jean. Les températures qui vont baisser jusqu'à moins 17 degrés. Et pour demain, ce sera du soleil au réveil pour les deux secteurs, avec le retour des nuages plus tard en journée. Pour Chibougamau, des averses de neige qui vont cesser ce matin. Alternance soleil-nuages par la suite avec des vents légers et un maximum de moins 11 degrés. Actuellement, à 8h17, c'est toujours moins 5 degrés pour le secteur de Saguenay. Moins 10 degrés et du soleil à Roberval. Et on est à moins 17 à Chibougamau. Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Allô, Frédéric Bérard. Allô, Frédéric Tremblay. On a un trio de sujets ce matin. On va aborder des sujets pas mal présents dans l'actualité, incontournables, même si c'est à plusieurs centaines de kilomètres du Saguenay. Le chemin Roxham qui retient l'attention, ce qui se passe, la crise pour les personnes, mais aussi dans la sphère politique à Ottawa, à Québec. Et là, on assiste dans les propos, dans les commentaires, à du dérapage depuis les dernières semaines. Oui, je trouve ça absolument désolant. Hein? Le Parti québécois hier de Saint-Pierre-Plamondon est allé jusqu'à proposer d'enclaver Roxham par la Sûreté du Québec. Je suis encore assis au sol. Je me suis pas relevé là, une fois que je suis tombé de ma chaise. Je peux pas croire en fait qu'un gars intelligent comme Plamondon, qui est avocat, qui a voyagé à l'étranger, qui a étudié le droit international, puisse proposer quelque chose d'aussi absurde, Frédéric. Absurde pourquoi? Absurde parce que premièrement, ça tient pas la route justement en droit international. Tu n'as pas le droit de faire ça. Deuxièmement, parce que ça tient pas la route en droit constitutionnel canadien. Il s'agit ici d'une compétence fédérale exclusive. Québec n'a rien à voir là-dedans. Et troisièmement, et surtout peut-être troisièmement, ce manque d'humanisme-là, on est rendu où, là? On riait des Donald Trump et de leur mur. On riait d'Orban et de la Hongrie qui empêchaient les réfugiés syriens. On se souvient de l'image du petit Elan hein, sur la plage. Évidemment, ce qu'on propose là, c'est pas du même niveau de violence, ça va de soi. Je vais faire d'analogies serrées. Mais le dénominateur commun, c'est quoi? C'est que des migrants, on n'en veut plus, ça suffit. On barre les portes, puis merci et bonsoir. Mais c'est exactement la même chose, au final, nonobstant le niveau de violence qui est suggéré. Or, j'ose croire qu'au Québec, Frédéric, on est mieux que ça. J'ose croire qu'on est d'accord pour respecter nos obligations humanitaires, nos obligations constitutionnelles. Et aussi, il faudrait peut-être se rappeler ceci. C'est parce que fermer Roxham demain matin, premièrement, vous n'avez pas le droit, mais deuxièmement, même si vous voulez le faire, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont rentrer par d'autres voies, tout simplement, qui, elles, vont être beaucoup moins sécuritaires. Les passeurs, là, ceux qui s'enrichissent sur le dos des pauvres gens, là, attendent juste ça, que quelqu'un essaie de fermer Roxham pour justement les faire passer dans le bois puis leur charger le double, sinon le triple du prix. Et comment expliquer que des élus ignoraient parce qu'on a appris cette semaine que dans l'État de New York, l'État paie carrément des billets d'autobus pour faciliter, pour transporter des migrants qui veulent passer par le chemin Roxham. Il y a des élus au Québec et à Ottawa qui ne savaient pas ça du tout. Ben, en fait, tu vois, tout ce mouvement-là, incluant ce que tu viens de dire, fait partie d'une trame de fond globale en Occident, pas juste ici, c'est partout, où les migrants sont vus comme étant des passifs, on s'en débarrasse. Ce ne sont plus des humains, ce sont des espèces
de parasites, des marchandises. Bon, OK, va à gauche, va à droite. On se rappelle hein, que le Royaume-Uni, qui a jamais été reconnu pour être trop raciste, a renvoyé des réfugiés au Rwanda. Ce n'est même pas des gens qui venaient du Rwanda. On sait ce que DeSantis a fait en Floride avec les migrants. Or, à l'heure actuelle, il y a 250 millions de migrants à travers la planète, des gens qui se cherchent des refuges. Frédéric, c'est ça qu'il faudrait se rappeler, là. Quand t'es réfugié, c'est parce que tu te réfugies. Puis si tu te réfugies, c'est parce que ça va mal, parce que tu fuis la persécution, tu fuis les inondations comme au Pakistan cet automne où il y avait 30 millions de gens qui n'avaient plus de maison. Tu fuis la sécheresse et ainsi de suite. Est-ce qu'on est capable encore de se rappeler nos obligations? Puis moi, je vais reculer quelques minutes, quelques années, en fait, si tu me permets rapidement. Le Québec d'antan, on n'avait pas ces débats-là. Moi, je me rappelle, en fait, je l'ai lu, j'étais trop petit, mais les Boat People vietnamiens, tu sais, des gens qui étaient partis du Vietnam pour se réfugier, ils fuyaient la persécution politique, notamment, sont débarqués ici, dans le fleuve Saint-Laurent, des Boat People du Vietnam. Le gouvernement fédéral se grattait la tête. Ouais, est-ce qu'on les accepte? Compliqué, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis René Lévesque, avec son ministre de l'Immigration, Gérald Godin, avait dit au fédéral, faites bien ce que vous voulez, nous autres, on va les accueillir. Or, parmi les enfants qui étaient dans ce même bateau-là, il y en a eu plusieurs, mais quand même, il y avait une dame nommée Kim Thuy, une petite fille à l'époque de 7-8 ans, qui est devenue une autrice internationale. On pourrait parler aussi d'Annie Laferrière, qui est devenue un de nos plus grands auteurs, qui a fui le régime de Papadoc ou Bébédoc en Haïti, je ne me souviens plus. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on peut revoir ces concepts-là, puis s'imaginer ces réfugiés comme des gens qui cherchent un asile, qui veulent débarquer ici, qui veulent s'intégrer, qui parlent français ou qui vont l'apprendre, et qui souvent vont faire des jobs qu'on veut même pas faire nous-mêmes, et puis par la suite, ben peut-être qu'on apprendrait nous-mêmes côté enrichissement personnel. À suivre encore une fois, mais c'est pas terminé, le chemin Roxham, ça continue de faire l'actualité. Autre sujet qui a fait l'actualité, c'est cette rencontre avec Ottawa et Québec, ben, Québec et les premiers ministres des provinces pour ces fameux transferts en santé. Il y a des chiffres qui ont été proposés, on ne tombera pas dans la description, là, dans les milliards de dollars, mais qui a le gros bout du bâton dans ce dossier? Est-ce que c'est le Front commun des provinces ou c'est encore Justin Trudeau? Ben, constitutionnellement parlant, c'est clairement le fédéral qui est au bout du bâton. Pourquoi? Parce qu'on sait que le domaine de la santé, c'est de compétence exclusive provinciale. Ce qui n'empêche pas le fédéral de pouvoir verser des sommes en vertu de ce qu'on appelle le pouvoir fédéral de dépenser. Le pouvoir fédéral de dépenser, c'est quoi? C'est qu'à l'extérieur de ses champs de compétences, le fédéral peut prendre son fric et l'octroyer avec ou sans condition. C'est le cas en matière de santé. Il y a une loi qui s'appelle la Loi canadienne sur la santé et qui oblige les provinces qui veulent cet argent-là à respecter certaines conditions, par exemple la gratuité, l'accessibilité, et ainsi de suite. Donc, évidemment que, un, c'est le fric du fédéral à 100%. Deux, les conditions, c'est lui qui décide s'il y en a ou s'il y en a pas. Ce qui fait en sorte que les provinces, ben, c'est plate à dire, mais elles peuvent se mettre ensemble. Elles peuvent faire front commun, comme tu dis. Elles peuvent taper le poing sur la table et dire c'est pas suffisant puis c'est dégueulasse. Mais reste qu'au final, si le fédéral décide de ne pas bouger, il n'y a rien qui va se passer parce qu'il n'y a aucun recours potentiel là-dessus. Donc, politiquement, c'est peut-être pas si c'est peut-être pas si glorieux de la part du fédéral d'agir de cette manière-ci. Légalement, par contre, il peut le faire, ça c'est assez clair. Et aussi, ben, j'invite les gens à faire preuve un peu de parcimonie dans leur analyse. Moi, je me souviens pas dans les 30 dernières années qu'après une rencontre avec un premier ministre fédéral, les provinces retournent chacune chez elles en disant c'est super, on a eu plus qu'on voulait. Habituellement, c'est toujours le jeu de la négociation puis se plaindre un peu en disant que c'était pas suffisant. Tiens, ne resserre pas ton livre de constitution. On va terminer en parlant de droit de vote. certains avaient soumis l'idée de peut-être interdire le droit de vote pour des personnes qui contreviennent à la loi électorale. On parlait d'interdire pour 5 ans. Il y a eu une décision de la Cour supérieure qui a remis les pendules à l'heure. Est-ce qu'on peut retirer un droit de vote comme ça au Canada dans des crimes en particulier? Tu sais qu'on a souvent parlé de dérogatoire, hein, toi et moi, ensemble, notamment dans les derniers mois. Il y a 3 droits dans la Charte canadienne qui ne peuvent pas être suspendus par la dérogatoire. Il y a les droits linguistiques, il y a la liberté de circulation, donc ton droit de te promener d'une province à l'autre, et il y a les droits démocratiques, ceux-ci qui sont prévus aux articles 3 à 5. Pourquoi on a décidé de ne pas appliquer la dérogatoire à ces droits-là? C'est qu'on les juge trop fondamentaux. Imagine-toi, là, tu peux pas suspendre
le droit de vote, mais tu as le droit de suspendre le droit à la vie à quelqu'un. Là. C'est quand même assez fort quand tu y penses. Donc, nécessairement, si on voulait soustraire le droit de vote de X ou Y qui aurait contrevenu à la loi, ça ne pourrait pas se faire par la dérogatoire. Ça peut se faire par une loi sans dérogatoire, ce qui a déjà été essayé d'ailleurs dans ce cas-ci. La Cour supérieure a dit non, je ne vais pas permettre ceci. Évidemment, il pourrait y avoir un appel en Cour d'appel du Québec et ultimement peut-être en Cour suprême. Mais moi, je te mettrai l'argent de l'épicerie sur le fait que la décision de la Cour supérieure ne sera pas renversée. Pourquoi? Parce qu'au Canada, malgré les infractions, malgré tout ce qu'on peut imaginer, le droit de vote est non seulement fondamental, mais il est immuable. Retirer à un citoyen, là, c'est un peu comme, comment je dirais, Socrate à l'époque de la Grèce antique, là, qui a préféré boire la ciguë, c'est-à-dire le poison, plutôt que de cesser de s'impliquer dans les activités politiques de la cité. Il y a un peu de ce fondement philosophique-là. On ne touche pas à ça, peu importe les circonstances. Bon, maintenant, c'est à nous de l'utiliser proprement. On rêve d'un 100% de taux de vote, mais ça, encore une fois, c'est... Il en manque un peu. Une belle naïveté. Tu as notre vote, Frédéric Bérard, comme à toutes les semaines. On se reparle la semaine prochaine sans faute. Je tâcherai d'en faire bon usage. Bye-bye, Frédéric.